départ de la première journée de cette 28e Rando d'Auvergne. Et aujourd'hui, vous le savez certainement, les deux premiers CH vont être gratinés, surtout pour les amateurs, avec, comme d'habitude, des voies romaines, des chemins et des racines compliquées pour les amateurs. Évidemment, on va suivre ça de tout près et puis on va s'intéresser également au classement. Côté parcours, 230 km cap au nord du côté de Clermont-Ferrand. On vous dit tout de cette première journée. D'entrée de jeu, les traceurs du motoclub du Livradois ont gâté les participants avec une première liaison de 43 km. Direction Job pour rejoindre la première spéciale et comme d'habitude pour y accéder, les parties techniques du coin étaient au rendez-vous avec la montée de Colombie. Ici c'est du caillou, du gros, du petit, du caillou qui roule. Bref, ça tape sur le premier CH et ce n'est qu'un début. Après avoir traversé quelques villages et mis un peu d'animation pour les habitants, dans la seconde liaison, les galères continuent. Je suis KO. J'en peux plus. Ah bon? C'est mais... magnifique, mais c'est très fatigant votre truc. La première ou pas? La première, oui. La première, on sent pas la dernière. Hein. Ça va? Ouais. C'est bien la ronde? Ah oui. Belle région? Oh, je la connais, je fais pas prendre la fête. C'est comme ça, à la ronde. Il faut passer le samedi matin pour mériter de continuer la course. Et au ravito suivant, si les pros refont déjà les deux premières spéciales, les amateurs, eux, refont les liaisons. Bah, 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 putain, il va vite là, plein de pierres. Bah, il est monté en l'air, les pieds comme ça et tout. Visière tout. Là, je m'étais dit, là, ça va gripper. Là. Et dans la chicane. Moi, j'ai carrément la chicane en rosette. Avant d'attaquer la descente avec les sauts. Et sur le freinage, le piqué a tapé un peu dans la pédale de frein. Et il s'est coincé là. Là, je vous accélère. Et là, quand je veux raccélérer, elle se met comme ça. Ah donc toi aussi tu dis ça va. Voilà. Les deux premiers CH, les plus durs, donc ouais, c'était sympa. Beau tracé, c'est toujours agréable de venir ici. Mais pour l'instant ça s'est bien passé. Tout, on est avec tout notre motoclub alors c'est sympa. On roule tous ensemble. On essaye du coup. On n'est pas bien là. Hein une belle liaison, un peu dur comme tous les samedis matin. Et ouais, sympa. Sympa, on s'est régalé, on s'est pas fait mal, on est là. Premier CH ça va, deuxième un petit peu physique, mais dans l'ensemble on se régale. Donc une belle partie entre copains. La Rande, on vient la voir en famille, entre vieux copains ou copines. On prend le soleil en attendant les premiers pilotes qui bataillent aux avant-postes. Et côté sportif, justement, la course a changé trois fois de leader. Il y a eu pas mal d'animation, mais on retrouve au coude à coude aux 5 et 6e places Hugo Blanjou et Vincent Gauthier. L'officiel KTM France a longtemps été deuxième, mais une grosse chute peu après le départ de la dernière spéciale lui a fait perdre une éternité et il ne signe que le 17e temps. Ce soir, le champion du monde junior par équipe était un peu énervé, mais nul doute qu'il redressera la barre dès demain dans des spéciales défoncées.
7 dixièmes seulement devant, on retrouve Vincent Gauthier qui entre dans le top 5 de cette première journée. Toujours discret, le pilote de la Sherco Academy a montré qu'il était un vrai enduriste qui aime l'herbe fraîche. Il a d'ailleurs attaqué la journée en prenant le deuxième chrono dans SP1. Quatrième ce soir, Jérémy Miroir est sans aucun doute déçu car il pointe déjà à 8 secondes 1 du leader. C'est lui qui a commencé à mener la journée, mais dans SP3, l'officiel Husqvarna chute et laisse filer de précieuses secondes. L'Auvergnat devra encore se battre demain face à de sérieux clients pour accéder au podium. Il est de retour en France et ce n'est visiblement pas pour y trier des lentilles. Kyrian Mirabé, le sympathique espagnol, a bien progressé dans l'herbe et il le prouve en bouclant cette première journée à 6 secondes 1 du leader sur sa Honda privée. Julien Gauthier perd la tête de la course dans la dernière spéciale. Il a choisi d'ouvrir et laisse filer plus de 5 secondes au profit de Johnny Aubert. Attention, le pilote Yamaha Bonneton de Roux nous a confié aimer aussi les spéciales défoncées. Ça promet une belle bagarre pour demain. Il est leader ce soir pour sa toute première participation à la Rande Auvergne. Johnny Aubert est allé chercher sa petite avance de 3 secondes 10 dans l'ultime spécial de la journée. Lui, qui voulait éviter de trop en prendre dans l'herbe fraîche du jour 1, a plus que rempli son contrat. Qu'en sera-t-il demain après 500 pilotes dans des spéciales qui auront bien vécu? Son passé de crossman parlera sûrement, mais il devra se méfier de la concurrence. Au programme demain, 200 km de course et ça se clôturera par un super motard final à Ambert. Et rendez-vous ici même vers 7h30 sur la page Rande Auvergne avec les amateurs, les gros numéros, ceux qui font ce qu'est la Rande Auvergne. Bonne soirée, à demain. Bye bye.